Ça démarre sur les chapeaux de roue là. On est encore en train de travailler. Comme vous voyez, on déplace pas mal de matériel, il y a du décor et tout ça. Et bon, voilà. On a préparé tout ça pendant 2 ans et demi. On n'a pas joué pendant 2 ans et demi, donc c'était assez frustrant. Moi, je me suis pas mal concentré sur le son. Et du coup, ouais, on a mis 1 an et demi à produire le disque. Mais on a appris plein de trucs et maintenant, là, voilà. Ce soir, je crois que c'est plein. Et non, ça va être chouette. En fait, j'ai les deux Akai, le 49 et le 61, avec toutes sortes de contrôleurs et tout ça. Et ici, j'ai un synthé analo, là, le petit Minilogue Korg, qui est un peu mon synthé d'impro, en fait. Enfin, je joue des parties dessus, mais du coup, je peux vachement délirer parce que tous les boutons sont interactifs, hein, c'est le principe de l'analo. Et d'autant que je le repasse en fait dans ma station Cubase. Et suivant les morceaux, je lui applique des effets ou des distorsions ou des délais. Et dans la disto, c'est juste un enfer. Ça met l'enfer à tout le monde. Et c'est super. Si, par exemple, il peut pas faire de Larsen avec ses amplis puisqu'il a pas de. Les Larsen, je le fais avec ça en fait. Et ça marche du feu de Dieu quoi. Et j'ai aussi un vocodeur toujours, un analogique qui contrôle le truc. Mais tu vois, les distos, ça donne ça à rien. Avec ce délai analogique qui est juste un enfer sur Terre. Et bon après, je m'en sers pour plein d'autres sons plus classiques, mais monophoniques, toujours. Et oui, le vocodeur, alors attends, vite fait. Vocodeur, toujours pareil. On s'est rendu compte assez vite que comme on faisait des grandes salles, en fait on joue moins souvent. Parce qu'avant on faisait du club, ou des clubs et des grandes salles, mais du coup 30 clubs, bah, ça fait 30 000 personnes. Et en fait, 2 Bercy, ça fait 30 000 personnes aussi. Donc du coup on fait moins de concerts, du coup on a envie de changer aussi ce truc-là dans l'avenir et de refaire du club et de refaire des choses peut-être plus petite, parce que de toute façon là je crois qu'on pourra pas faire plus gros que ça dans nos salles en France. Et bon, là je pense qu'on est arrivé on est arrivé au max de ce qu'on pouvait faire dans la mesure du raisonnable.